Welcome to the Windsor and Royal Borough Museum. We tell the story of life in the Royal Borough with over 100 objects on display, ranging from the Stone Age to the present day. The museum is in the Windsor Guildhall, a historic Grade 1 listed building with important portraits of the royal family from Elizabeth I to Elizabeth II. Come on in. En 1974, la reine Elizabeth II accorda au Royal Borough de Windsor et Maidenhead son titre royal. C'est le seul arrondissement royal à l'extérieur de Londres. Le château de Windsor est le plus ancien et le plus vaste château habité au monde. Il est entouré du grand parc de Windsor, Windsor Great Park. Le premier château fut construit en bois par Guillaume le Conquérant en 1070, et c'est son fils Henri Ier qui en fit le premier une résidence royale. Le Royal Borough, l'arrondissement royal, abrite de nombreux lieux emblématiques, en particulier le collège d'Eton, fondé par Henri VI pour des élèves peu fortunés, l'hippodrome d'Ascot, qui accueille le Royal Ascot, et à Maidenhead, le pont de l'ingénieur Isambard Kingdom Brunel, Sounding Arch. L'hôtel de ville de Windsor a été conçu par Sir Thomas Fitch et construit en 1689. Celui-ci mourut avant son achèvement et c'est Sir Christopher Wren qui termina probablement son œuvre. Le bâtiment a évolué au fil du temps et en ce moment même, vous vous trouvez dans l'extension achevée en 1829. La Tamise et les terres fertiles qui l'entourent ont attiré les populations depuis des milliers d'années. Les archéologues ont découvert ici des vestiges de l'âge de pierre et du début de l'âge du bronze. On a exhumé de nombreux outils et trésors, dont des silex de l'âge de pierre, des pièces de monnaie et des bijoux anglo-saxons. Quatre maisons néolithiques, datant d'environ 3700 avant Jésus-Christ, ont été retrouvées à Houghton. En 2017, la plus grande enceinte à fossés interrompus du pays, datant d'il y a 5500 ans, a été découverte à Datchet. Des objets de cérémonie ont été trouvés sur le site, ce qui laisse entendre que c'était un lieu de rassemblement pour différentes communautés qui festoyaient et échangeaient des marchandises. L'objet le plus ancien de notre collection est une défense de mammouth vieille de 100 000 ans, découverte au nord d'Eaton Wick en 1954. Les bijoux en or exposés ici ont été fabriqués il y a plus de 3000 ans par des orfèvres de très grand talent. Et le peigne en bois de serre, magnifiquement sculpté, est vieux d'environ 1000 ans. De nombreux événements marquants eurent lieu dans la région. En 1215, le roi Jean sans Terre apposa son sceau sur la Magna Carta dans une prairie près de Windsor. Cette grande charte comprenait 63 clauses englobant la loi, la liberté et l'Église. La plus importante traitant du droit des hommes libres à une justice et un procès équitable. Le 28 novembre 1783, le château de Windsor fut témoin des premières expériences d'envol de ballon en Angleterre. George III avait invité le scientifique suisse Ami Argan à remplir un petit ballon d'hydrogène pour qu'il puisse s'envoler. Le 2 mars 1882, Roderick MacLean tenta d'assassiner la reine Victoria à la gare Great Western de Windsor. Il fut jugé dans ce bâtiment et le banc d'accusés exposé ici fut construit pour lui dans la nuit. Déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale, il passa le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Le 9 septembre 1911, vit le premier vol postal britannique s'élancer entre Hendon, dans le nord de Londres, et Windsor. Le pilote, Gustav Hamel, mena à bon port le monoplan qui transportait plus de 1100 lettres pour célébrer le couronnement de George V. En mars 1947, un soudain dégel causa des inondations considérables dans tout l'arrondissement. Plus de 2000 habitations furent inondées rien qu'à Maidenhead et les livraisons durent être effectuées par bateau.
De nos jours encore, la région est exposée aux inondations. En 1908, le marathon olympique débuta au château de Windsor pour se terminer dans Londres. Et pour les Jeux de 2012, des courses d'aviron et de canoë eurent lieu sur la base d'aviron du collège d'Eton. Windsor a été le centre de nombreux événements royaux. Mariages, visites d'État, célébrations de jubilés. Le 19 mai 2018, plus de 110 000 personnes se sont déplacées pour apercevoir Harry et Meghan dans leur carrosse après leur mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Nombre de personnalités ont élu domicile dans l'arrondissement, parmi lesquelles le peintre Sir Stanley Spencer, Sir Nicholas Winton, le Schindler britannique, Sir Elton John et les Spice Girls. Boris Johnson et David Cameron ont fait leurs études à Eton. Charles Knight, qui fut deux fois maire de Windsor, et son fils Charles Knight Jr. fondèrent en 1812 le Windsor and Eton Express, un journal toujours publié de nos jours. Charles Knight Jr. était un partisan des bibliothèques publiques et de l'éducation populaire. Le sergent William Green, héros local, rejoignit les Coldstream Guards à l'âge de 18 ans. Il combattit pendant la guerre de Crimée et reçut de nombreuses médailles militaires. Après avoir passé 21 ans dans l'armée, il devint gardien des doubles portes du Grand Parc de Windsor. Margaret Oliphant Wilson est une romancière écossaise et auteure d'œuvres historiques connues sous le nom de Madame Oliphant. Elle était l'un des écrivains préférés de la reine Victoria et publia plus de 120 ouvrages, dont des romans, des livres de voyage et des écrits de critiques littéraires. Patrick Young Alexander est un ingénieur aéronautique et météorologue qui parcourut le monde. En 1917, il commença à enseigner l'aéronautique à l'Imperial Service College de Windsor et eut comme élève Sidney Camm. Sir Sidney Camm fonda le Windsor Model Aeroplane Club depuis un atelier dans le jardin de son père. Il conçut le Hawker Hurricane, un avion qui a joué un rôle important dans la bataille d'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui valut d'être fait chevalier en 1953. Depuis le XVIIIe siècle, deux casernes ont abrité ici de nombreux régiments. Au château de Windsor, la relève de la garde a lieu régulièrement chaque semaine et les tenues d'apparat que revêtent les fanfares militaires pour la cérémonie divertissent les habitants et les visiteurs. La Tamise et les chemins de fer facilitèrent la circulation dans l'arrondissement, ce qui encouragea une kyrielle d'activités et de commerce. Le brassage était une industrie majeure et l'orge l'une des cultures principales de la région. Le tourisme se développant, le shopping devint un secteur important. Le grand magasin Kayleys, entreprise familiale, ouvrit ses portes en face de l'hôtel de ville de Windsor en 1823 et reçut des mandats royaux pour fournir des biens et des services à la famille royale. Aujourd'hui, la région compte plus de 100 titulaires de mandats royaux, depuis des artisans indépendants jusqu'à des multinationales mondiales. Parmi eux, Darville & Son pour leur thé, et Windsor and Eton Brewery pour leur bière. Le Windsor Safari Park ouvrit en 1969. Il proposait des enclos où l'on pouvait se promener en voiture parmi les animaux, des volières et des petites balades à thème. Il a fermé ses portes en 1992 et a été remplacé par le complexe Legoland de Windsor en 1996. Si vous désirez voir les pièces à l'étage, veuillez demander à un membre du personnel du musée si c'est possible aujourd'hui.